Bonjour, c'est Fabien du studio de la Forme, une petite vidéo bien pour vous présenter le Pilates qui est donné au studio. C'est parti. Alors pourquoi faire du Pilates? Eh bien pour tonifier le corps. Certes, ce sont surtout la ceinture abdominale, les muscles du dos et le plancher pelvien qui travaillent en profondeur lors des exercices de Pilates, mais tous les autres muscles sont également sollicités. Avec la pratique du Pilates, votre corps sera plus ferme, plus tonique et plus galbé. Ensuite, on corrige la posture et on soulage les maux de dos puisque l'on travaille les muscles situés près de la colonne vertébrale qui, elle, soutient tout votre corps. La grande efficacité du Pilates, c'est la connexion corps-esprit. C'est la raison pour laquelle on obtient rapidement des résultats visibles à la fois sur la silhouette, mais également sur la tonicité du corps et sur votre mobilité au quotidien. Vous allez être plus à l'aise dans tout ce que vous faites. On est sur une gymnastique douce, c'est-à-dire que l'on ne traumatise pas le corps, contrairement à certains cours de remise en forme. Voici un petit aperçu des exercices. Question. Alors, est-ce que l'on perd du poids avec le Pilates? Alors, le Pilates, c'est un renforcement musculaire. On sait que pour perdre du poids, il faut augmenter le métabolisme de base. Or, pour l'augmenter, il faut se muscler. Donc oui, le Pilates peut rentrer dans un processus de perte de poids s'il est bien sûr couplé à une alimentation saine et équilibrée, un bon sommeil, moins de stress, etc. etc. Alors, autre question, je suis un homme, est-ce que je peux faire du Pilates? Non, c'est interdit. Voilà. Bien sûr que oui! Bah oui, on est en 2018 et il faut arrêter les clichés. Le Pilates, ce n'est pas uniquement pour les dames. Tout le monde a besoin d'avoir un bon renforcement musculaire. Alors, c'est sûr, si vous voulez prendre de la masse musculaire, alors ce n'est pas le sport que je vous conseille. Mais si vous voulez par contre vous renforcer efficacement et si vous voulez obtenir un corps plus athlétique que volumineux, alors le Pilates ainsi que le yoga sont deux bons choix. Et si vous faites du sport comme de la course ou du vélo ou même un sport collectif, le Pilates est un très bon complément pour gainer le corps. Et sachez que j'ai déjà beaucoup d'hommes au studio, donc n'ayez pas peur, vous ne serez pas seul. Comment tester une séance? Pour tester une séance, c'est très simple, vous pouvez accéder au planning en cliquant simplement sur le lien juste situé en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à me contacter pour prendre rendez-vous. Alors je précise qu'au studio, cela marche par carte de séance et donc que l'on peut s'inscrire toute l'année. Vous avez le planning ci-dessous, vous me contactez donc soit par email, par téléphone ou par SMS pour réserver simplement votre cours. Les cours sont sur réservation car je ne prends que 10 à 12 personnes par cours. La séance d'essai est gratuite en yoga et en pilates. Cela vous permettra de tester et de voir si c'est bien ou pas. Les cours sont pour tout le monde. Chacun travaille à son rythme. J'ai dans les cours de très grands sportifs. J'ai champion du monde, j'ai même eu des champions olympiques. J'ai des personnes qui n'ont jamais fait de sport. J'ai des vieilles dames. Pas de problème. Le cours est le même, mais simplement adapté à vos capacités. Alors, si vous voulez entretenir votre silhouette en douceur, mais de façon profonde et efficace, n'hésitez plus, mettez-vous au Pilates. Je vous invite maintenant à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres amis. Et je vous invite à me contacter pour prendre rendez-vous pour votre prochaine séance. À bientôt, ciao ciao.